Hi, I'm Rachel. I'm Jean-Laurent. We live in the UK. And in France. Both French teachers. But we've become vloggers. So that we can show you some of our favorite places. And learn some French along the way. Welcome to our channel. France and French. Nice. Ouais, c'est très joli Nice. C'est une belle ville, connue pour la promenade des Anglais. C'est une grande ville, la cinquième ville de France. Donc beaucoup de choses à visiter, beaucoup de musées. Et on est dans la vieille ville, on va aller voir le marché aux fleurs. La vieille ville is the old town, isn't it? Ouais. It's famous flower market. Voilà. Nice connue pour le marché aux fleurs. C'était le premier marché aux fleurs de France. Et les fleurs poussaient dans l'arrière-pays de Niçois. Mm-hmm. Peut-être plus maintenant, mais ils ont gardé la tradition du marché. And they needed the flowers to make. Voilà, les pétales de rose, par exemple, pour faire le parfum de rose. Well, these are lovely bouquets. It comes from the French word, doesn't it? Bouquet. Ouais, un bouquet de fleurs coupées avec des oliviers, des hibiscus en fleurs. Des belles fleurs rouges, roses, oranges même. Orchids. Ouais, des orchidées. Des citronniers pour le gin and tonic. C'est des clémentines ça plutôt que des oranges, je pense. Regarde, une petite famille de cactus. Baby ones. Donc des petits sachets de lavande comme ça. Mmh, ça sent très bon. Il paraît que l'odeur de la lavande fait dormir, calme. Le savon de Marseille. It's not the most attractive of soaps, is it? Non. You can even buy roses, these little roses, for tea cakes. They don't just sell flowers, do they, at this market? Non, il y a aussi un marché alimentaire, et là on est devant un marché d'épices qui est quand même particulièrement impressionnant. Never seen green soap before. There's a stand that looks quite interesting behind with names like Soca, Pissaladière. What's all that about? Alors la soca, c'est une spécialité de Nice, comme la pissaladière d'ailleurs. Can we see where they're making it? Alors la soca c'est fait avec de l'eau et des pois chiches. Ah, here's one freshly made. So it's like a big pancake made from chickpea flour. And see these people waiting. And they scrape it off, get little scrapings, and then they put it in a cone. She's cutting it into parts, and then she'll put it into their cone. This apparently is quite famous. And that's how you eat it. On est au marché et il y a des beaux bâtiments à Nice quand même. Très coloré. Juste derrière moi, la chapelle de la Très Sainte Trinité et du Saint-Suaire, où le duc de Savoie est venu se réfugier, emportant avec lui le Saint-Suaire pendant 7 ans, avant de se retrouver à Turin, où il séjourne désormais. C'est quoi le Saint-Suaire? Le Saint-Suaire, c'est donc le linceul qui a recouvert le corps du Christ après la crucifixion. The shroud that covered the body of Christ after the crucifixion. Donc ruelle typique du vieux Nice, où l'avantage c'est qu'on se retrouve à l'ombre en pleine journée, du fait des rues étroites. Lots of lovely little shops, art galleries,
restaurants. Looks like it's wash day. So this isn't open, but it looks like some sort of charcuterie. And what's going on here? Alors, on va acheter des pieds de porc. So, pig trotters. Des oreilles de porc. Pig's ear. Une jarret de porc. La cuisse. Ouais. So the leg. La queue de porc. Pig's tail. La langue de porc. Ooh, pig's tongue. Il paraît que dans le cochon, tout est bon. Ouais. Well, I don't think there's much left of it. And this is a place where you eat lots of olives, including la salade niçoise that contains olives. Bon, là, on est dans le nougat provençal typique. Plein de spécialités différentes. Nougat à la pistache, nougat au caramel, beurre salé. There's the menu. Wow, I never knew there were so many types of nougat. Look at these, pâtes de fruits. Wow. A traditional fruit, but look at this one. Tomate basilic. So tomato and basil. Mm. Corsican clementine. Ah, kiwi, yeah. Wow. Tomato and truffle. Wow. Someone's arriving with more soccer. In his little cart, he's got another specialty called pis saladier. Just putting some more in there. We'll try that later. You will be queuing for soccer. So it's lunch time. Au cœur de Nice, dans la vieille ville, il y a René Soca, donc qui est établi là depuis très très longtemps, de génération en génération. Et c'est un peu l'ancêtre des street food, puisqu'on achète là devant au comptoir, et ensuite il y a des petites tables où on s'installe en libre service. Donc de la soca, de la pizza à la bière, des parts de pizza, des portions de beignets de sardines, beignets de fleurs. So lots of specialities at Nice. Yeah. So here we've got pan bagnat. Alors pan bagnat, c'est un sandwich comme ça, là, qui a cette forme-là, assez grosse. Mm. Dedans, il y a des tomates, du thon, des anchois, de l'oignon. Mm. Voilà, la soca qui sort du four à bois. Ça va, c'est bon? C'est l'heure de la soca. Ok. Is it nice? Mm. C'est bon? Ah bon. Alors, qu'est-ce que tu penses, Linda? C'est bon? C'est très bon. C'est assez moelleux, c'est agréable à manger. So you're a happy customer? Hein? Always. Alors, pis saladier. C'est une tarte à l'oignon sur une base de pizza avec oignon confit dessus, olive et anchois. Ça, c'est bon? Ça, c'est très très bon. Ah. Fleur d'aubergine panée. Okay. Trempé dans le... So an aubergine flower that's been deep fried. Deep fried. Mm. L'intérêt de Nice, c'est que même au centre-ville, dans la vieille ville, on a un accès très rapide à la mer. Donc nous sommes sur la promenade des Anglais, qui a été nommée après la reine Victoria, qui venait à Nice. Donc cette promenade des Anglais, elle suit toute la baie des Anges. Elle fait 7 km de long. So why do you think it's called la Côte d'Azur? Ah, regarde la couleur de l'eau, un bleu azur. Magnifique. Yep, Nice is most definitely nice. Thank you.
Remember to like, subscribe and add any comments.